qui me manque là. C'est l'heure de la prise de service. Ça va. Il est à peine 5 heures quand Olivier et son équipe partent pour une tournée qui va durer jusqu'à la mi-journée. Fred. Avec Ali. Dans une vieille ruelle tout près de la citadelle d'Ajaccio. Dans la nuit toujours si belle, on entend des ritournelles des bravos. Lui, c'est des ritournelles de moteurs sans bravo qu'il va orchestrer. Tu vois tous les mégots par terre. Là, je vais faire le tour, voir où c'est, que c'est le plus sale. Comme ça, j'envoie toutes les machines. Comme ça, parce que tout ça, c'est trop dur pour le cantonnier au balai. Et Olivier sait de quoi il parle puisqu'il est passé par tous les postes de cantonnier à chauffeur de machine. On part du sentier et le bord du marché. Ouais. Direction donc les abords du marché et ses terrasses, dont certaines ne vont pas tarder à ouvrir. Il faut aller vite et des obstacles, il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup d'obstacles comme ça. C'est pour ça que c'est très dur de passer la lance entre les voitures, les poteaux, les motos. Après, les gens qui nous klaxonnent un peu derrière, ça fait beaucoup. Attends, j'ai un coup de main. Antoine, qu'il rejoint là, est l'agent préposé à la place du marché. Si Olivier ne compte pas les fois où il a eu envie d'interpeller les gens qui jetaient des papiers dans la rue, ici, il met un bémol. Olivier, vous dites que c'est pas l'endroit le plus sale, la place du marché. Non, c'est pas la place la plus sale. Non. Les gens jouent assez le jeu, il y a beaucoup de corbeilles, donc non, c'est pas la plus sale. Hein. Antoine, ça fait combien de temps que vous faites le marché? Ça fait un peu plus de 3 ans. Et c'est quoi l'ambiance du marché? L'ambiance, c'est les deux Ajacciens, la Magagne. Et la Magagne, nous y voilà justement. Aujourd'hui, c'est Antoine, supporter du Sporting, qui en fait les frais. Le seul défaut qu'il a, c'est pour qui? Pour la CA, maintenant. Oh, Antoine, c'est pour la CA, c'est vrai. C'est m'a dit le chef, là. C'est pas pour la CA, lui. J'ai pas celui qui me dit ça tout le temps. Ouais, c'est vrai, hein. Antoine, pas de temps en courant, viens. En bon Ajaccien, Olivier aime l'ambiance du marché, mais son tour des étals fait aussi partie du travail. Oh, demain, tu l'as. Ouais, si demain je l'oublie, je viens plus au marché. Vous a réclamé quoi? Un petit produit désodorisant, parce qu'il y a quelques remontées. Et je l'ai oublié, je me suis fait engueuler. Mais demain, elle aura son produit. Attention. Ça va? Ça va, et toi? Oui. Le marché, c'est comme un village, avec ses obligations et ses discussions. Ce matin, vous avez du boulot un peu, non? Non, ça va. À part la rue Roi de Rome, au Bonaparte, non, ça va. Attends, j'en ai jeté les papiers par terre hein, pour s'occuper. Mais ça, c'est Antoine qui les ramasse. Ah, c'est Antoine. Antoine! Ça va, alors. Ce jour-là, Olivier s'est attardé ici un peu plus que d'habitude, mais l'essentiel de sa tâche l'attendait ailleurs. Au marché, il sait que les équipes de l'après-midi prendront le relais pour tout nettoyer. Et si, alors? Ça va? Ça va et toi? Ça va.